Deze week in Lierse TV, een voorbeschouwing op Genk Lierse met Rachid Bourabia. Onze U13 ontvingen thuis hun leeftijdsgenootjes van OH Leuven. Onze vrouwen speelden op het Lisp tegen Antwerp. En Bruno wilde voor een verrassing zorgen in het spelletje 30. Nu de Rode Duivels hun succesvolle kwalificatiecampagne afgewerkt hebben, kan dit weekend het nationale voetbal weer betwist worden. Een weekendje rust kwam eigenlijk niet ongelegen, gezien het zware programma dat Lierse al voorgeschoteld kreeg. Dat vindt ook een van de mannen in vorm, Rachid Bourabia. C'est toujours bien d'avoir un petit week-end de repos. Mais jusqu'à maintenant, on a disputé 11 matchs. Ça a été, voilà, chaque match a été très difficile et très épuisant. Donc, quand une trêve internationale, c'est bien de couper un peu, d'aller voir la famille, de changer un peu les idées et oublier un peu le foot quelques jours et de se reposer. Lierse kan terugkijken op een geslaagd seizoensbegin. Maar Rachid wil met de voeten op de grond blijven en wil dus nog niet spreken van een gevoel van tevredenheid. C'est vrai qu'on est mieux positionné que l'année passée, on avait plus de points. Maintenant, faut pas non plus s'enflammer, c'est encore très serré avec le bas du classement. C'est vrai qu'aussi le haut du tableau n'est pas très loin non plus. C'était un week-end où vous pouvez penser à autre chose que le foot. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il y a un autre match qui arrive samedi. Et il faut vite se reconcentrer parce que c'est encore très serré. Et jusqu'à maintenant, on a encore rien fait. C'est encore très long. Hoe dan ook, kan je er niet naast kijken. Dit Lierse is niet hetzelfde als dat van vorig seizoen. Oui, c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau du jeu, on prend plus de plaisir sur le terrain, on est plus organisé, on est plus solide, que ce soit défensivement et offensivement. Tout n'a pas été positif, on a aussi fait des erreurs, on aurait pu avoir plus de points aujourd'hui. Donc voilà, on est sur la bonne voie, mais il faut continuer comme ça et pas s'endormir. Et cette année, avec des résultats meilleurs, on sent une meilleure ambiance, qu'il y a moins de pression autour de l'équipe et dans l'équipe. Et voilà, c'est positif pour les joueurs et pour tout le monde, je pense. Na de gewonnen wedstrijd tegen zijn ex-club Bergen noemde Bourabia zelf Lierse volwassener dan vorig jaar. On n'a pas fait un grand match, mais on a réussi à prendre les 3 points. Et c'est ce qui fait la différence avec l'année passée, c'est que si on voulait prendre des points l'année passée, on devait vraiment être très très fort. Et peut-être que ce genre de match, l'année passée, je ne pense pas qu'on aurait remporté. Contre Mons, ça a été le parfait exemple. On a mené, ça n'a pas été facile en deuxième période, mais on a réussi à mettre le deuxième but au bon moment. Ondanks alles begon Rachid dit seizoen van op de bank. Quand on est joueur de foot, on n'a qu'une envie, c'est de jouer. Donc à partir du moment où on est remplaçant, on peut pas être content. Du moins personnellement, ouais, j'étais pas satisfait de ma situation. Maintenant, c'est du passé, c'était les choix de l'entraîneur à l'époque. Après deux matchs, je pense que j'ai récupéré ma place. Et voilà, pour l'instant, je joue, donc je suis content. Opvallend is dat bijna elk doelpunt van Rachid Bourabia punten oplevert. Ah, ça je sais pas. Après, pour un joueur offensif, c'est important d'essayer d'être décisif. Et voilà, pour un joueur, c'est toujours bien de se sentir important et d'être décisif pour l'équipe parce que voilà, c'est ce qu'on nous demande sur le terrain, d'être décisif. Et pour le moment, c'est ce que j'essaye de faire. Zaterdag trekken we naar Limburg, waar we het opnemen tegen Racing Genk. Rachid schat de Blauwhemden hoog in. Genk, on sait que ça fait partie du top 6 en Belgique. Chaque année, je pense qu'ils sont là, ils disputent les play-offs 1. Donc voilà, ça sera un match difficile comme chaque samedi. Maintenant, on va là-bas avec l'espoir de prendre quelque chose parce qu'on a vu que si on jouait notre football, on pouvait mettre en difficulté même les meilleures équipes. Quand on commence le match, il y a 0-0. Donc si on ne fait pas d'erreur et si on reste concentré, on part avec un point. Donc après, on va essayer de garder ce point-là et le plus longtemps possible. Et après, ça peut aller vite. Si on a la possibilité de jouer en contre ou je sais pas, on va essayer de,
de prendre quelque chose là-bas et c'est pas impossible. Volgens verschillende analisten heeft Genk haar beste niveau nog niet bereikt. Maar anderzijds hebben ze 6 wedstrijden op rij niet verloren. Petit à petit, ils avancent. Ils avancent sans pression. Ils savent que voilà, le championnat est très long. Et comme tu as dit, ils n'ont pas perdu les 9 derniers matchs. Donc ça prouve que c'est une équipe très solide. Onze jeugdmatch van de week is die van de U13 tegen Oud-Heverlee Leuven. Onze jongens keken al snel tegen een achterstand aan, maar bogen daarna de wedstrijd om en wonnen overtuigend.
Vorige zondag speelden onze vrouwen op het Lisp tegen Antwerp. Lierse had het niet makkelijk, maar won wel met 3-1. Vorige week in 30 pakte Frederik Frans uit met een stunt van je welste. Frey trapte meteen 3 keer op de lat en behaalde zo de maximumscore. Deze week probeert Bruno Berg Carvalho in de buurt te komen. Thank you.